Maintenant, concernant la vente des rails, monsieur Fode Bangoura dit que ce n'est pas CDD et patati et patata. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est une très très bonne chose. Pourquoi je dis que c'est un gâchis? C'est maintenant que ce monsieur-là parle de ça, monsieur Fode Bangoura. C'est le monsieur, je pense, qui est très très grand là. C'est maintenant qu'il parle de ça. Maintenant, il faut profiter de l'occasion pendant cette transition pour éclaircir ces choses-là. C'est-à-dire, M. Futrelec, s'il a aussi avait parlé de Air Guinée, mais juste à présent, il y a des gens qui font de ça un argument. Juste à présent, même si ça ne donne pas, même si ça ne marche pas, ils en font. Parce que c'est le chiffre qui les trompe. Donc, il y a trois sujets, trois points. L'affaire de Rail, l'affaire d'Air Guinée et l'affaire de meilleurs investisseurs au Sénégal. L'affaire de meilleurs investisseurs au Sénégal, c'est cette affaire de gris-gris, de Cory, quoi là. Le prix de Cory d'or. Je voulais dire gris-gris production parce que la Ougi Bande aussi avait le Cory comme symbole sur son gris-gris production là. Cette histoire de comment on appelle ça? Le prix qu'il a eu au Sénégal par rapport aux élections qui s'étaient passées, comme il a été un homme de paix ici et ça, on lui a donné ce prix-là. C'est un RPGiste qui a modifié ça, qui a dit que, parce qu'il est meilleur investisseur au Sénégal. Donc ces trois points-là, les communicants et les militants de l'UFDG, vous devez beaucoup communiquer sur ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient toujours que ces choses-là sont vraies. La belle Marie, comment tu vas, ma chérie? Marie Angoura a dit. Moustapha Bangoura. Moustapha Gassama. Moustapha Gassama. Hein. Il y a quelqu'un qui dit que j'incite à la haine. Vous m'avez déjà vu ici de dire à quelqu'un de sortir. Hein? Vous m'avez déjà vu quelqu'un ici en train de dire aux gens de sortir à peu près un an. J'ai dit à tout le monde de rester chez soi. Ça aussi, ça vous dérange. Parce que ça s'est passé dans le côté où j'étais un peu. Ou bien, voilà. Vous allez comprendre la vie. Mais sur Facebook, là, ici, Kalati, on va m'en comprendre. On aurait abora non hydraulique dans ma langue. On va faire tes Kalati. Donc, cette histoire de rail, il ne suffit pas d'écrire. Je ne sais pas, il faut que l'UFDG se débrouille. Ces trois causes-là que je viens de citer. Meilleur investisseur au Sénégal. Comment on appelle les rails, Air Guinée. Il faut qu'il y ait une petite conférence de presse, même si ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Il faut mettre ça dans son programme pour que ces gens-là viennent blanchir ce monsieur-là. Avec preuve à l'appui. Il faut qu'il le fasse avec preuve à l'appui, ouvertement, officiellement et officieusement. Ça, on n'écrit pas ça comme ça, on met là-bas. Non. N'importe qui peut le faire. Donc, l'UFDG doit et expliquer à leurs communicants comment expliquer ces trois choses-là. Vraiment, sérieusement et sincèrement. C'est une question d'honneur. Ça n'a rien à voir avec l'électorat. C'est une question d'honneur. Accuser quelqu'un sur une fausse base, ces gens-là, c'est des propagandistes. C'est un parti de propagande. Mais ce qui les dérange aujourd'hui, ils oublient qu'aujourd'hui, tout se passe en temps réel. Avant, quand le colis mentait sur tous ses prédécesseurs, il a RFI, il a la voix qui va un peu loin. Aujourd'hui, ici, là aussi, c'est RFI. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme avant. Tout sort en temps réel. Quelqu'un qui a gagné trois fois les élections, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a gagné trois fois les élections, ce n'est pas possible que ta vie finisse comme ça. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par le peuple aussi. Vous voyez, non? Nansouma, comment tu vas, ma soeur? Il est très aimé par le peuple. Mais bon, le peuple là aussi. Ah, les Guinéens, vraiment? Vous n'êtes pas gentil, hein? Il faut sortir. Ou bien, pourquoi
vous ne sortez pas. que je n'ai pas honte de mentir. Oui, oui. Et toi, tu aimes regarder les menteurs. Parce que tes parents ont tout le temps regardé les menteurs. Dès que tu vois un mensonge quelque part, tu viens là-bas. Ou bien, j'attends de chercher quelqu'un là que je guette sur mes directs depuis longtemps. Je vais essayer de le chercher. Donc, tout ce que je peux vous dire, il faut soutenir le CNRD. En ce moment, c'est ça. C'est le CNRD et c'est tout. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin de la transition, les partis politiques vont se retracter, revenir, les militants et les sympathisants, revenir dans leur parti. Parce qu'il faudrait comprendre une chose, le CNRD n'est pas un parti politique. Donc, ils n'ont pas spécialement de communicants. Voilà, ils n'ont pas spécialement, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui se disent, oui, quand je vais soutenir le CNRD, mon parti politique de base va se fâcher. Les gens vont dire que si, les gens vont dire que ça. Non, ne vous occupez pas de ça. Il ne faut pas vous occuper de ça. Si vous avez prié, si vous avez cliqué, si vous avez publié une seule fois que vous ne voulez pas du colis, c'est une logique. Vous devez soutenir le CNRD comme vous pouvez. Cela va de soi. Maintenant, quand le CNRD va déconner selon vous, parce que chacun a son truc, chacun a, je sais pas, chacun a ses idées, quand ça ne va pas correspondre à ce que vous attendez, vous vous rétractez. Mais pour l'instant, s'il y a trois groupes, ça profite à eux. La belle Marie, ça profite à eux. Pourquoi? Pourquoi ça profite à eux? Parce que eux veulent salir, ils veulent que ce monsieur-là échoue. C'est tout. Ils ne sont pas contents. Principalement les 2000 personnes qui sont, et certains sont sur les réseaux sociaux, les publications écrites. Vous avez remarqué dans les groupes, il y a des gens qui passaient tout leur temps à critiquer CDD. Tous les jours. Maintenant, c'est les deux qui le critiquent. Mamadi et CDD. Tous les jours. C'était pas gratuit. Hein? C'est tous ces 2000 personnes-là. Ils sont partout. Et ceux qui font les vidéos aussi. C'est pas terrible. Quand tu es dans un parti politique, quand tu aimes une personne, tu lui dis la vérité. Tu lui dis la vérité. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Moi, le colis, je t'aime beaucoup. Tu es une très très bonne chose. Mais je ne veux pas cette histoire de troisième mandat là parce que. Je ne vais pas te suivre dans ça, hein, et le combattre. Aujourd'hui, les gens allaient applaudir pour toi. Mais non, nous on va rester derrière lui. Maintenant, voilà les conséquences. Humiliation sur humiliation. Et ils s'attendaient que les gens allaient se lever pour aller où? Ils vont aller où? Les gens ne veulent pas de toi, tu le sais très bien, c'est une vérité, c'est une réalité. Et il faut que les gens comprennent une chose. Cette histoire de manifestation en Guinée, c'est le colis qui a amené ça en Guinée. Vous savez, les Français aiment manifester. C'est le colis qui a créé la manifestation en Guinée. Et son groupe, mais je pense que c'est lui qui était à la base. Le colis... Feu Bamamadou, Feu Sirayo, tout, Feu Jean-Marie, leur groupe là. Mais le colis était à la base. Écoutez très bien ce que je vous dis. Quand je vous dis que ces choses-là sont spirituelles, et c'est ça que les gens oublient. Quelqu'un qui a amené un phénomène dans un pays, lui, il a souvent manifesté. Ça n'a jamais donné comme il voulait. Pourtant, c'est lui le créateur. C'est lui le soubassement de cette chose. Maintenant, les gens manifestaient contre lui. Ça l'a fatigué, certes. Mais ça n'a jamais donné le résultat attendu. Vous comprenez? Aujourd'hui, cette personne est enfermée. Le créateur. Qui va manifester? Où cette soirée, qui va manifester? Logiquement, c'est une logique. Qui? Aubakar, salut à toi. Souma Souma Anadi. Qui va manifester? Il est enfermé, je vous l'avais dit. Le ministre de la Défense est enfermé. Et en plus, le ministre de la Défense peut avoir une autre charge, hein, le détournement, parce qu'il a pris un salaire qu'il n'a pas travaillé. Donc, vous voyez que les choses ne font que s'aggraver. Moi, je ne connais rien. Je mens beaucoup. Ah ouais. On va continuer. Ça va aller. Ça viendra, Inch'Allah. Ça va vous dépasser. Oda Yarama. Ou des femmes, il va dire. Je cherche quelqu'un là.
Voilà, le péché. Raquel. Pensez que c'est un jeu. Vous jouez. Maurice Gakité, c'est toujours eux. Tu trompes tout le monde avec ta manière de t'habiller, dire des mensonges comme ça, alors que la religion interdit de mentir. Tu es honte pour la communauté musulmane, tellement qu'à Ronori, tu es une. Ok, Monsieur Maurice Gakité, moi je mens. Mais tu sais qu'on a menti à tes parents. Ou bien, vous n'avez pas eu l'eau, vous n'avez pas eu l'électricité, vous n'avez pas eu le goudron. C'est faux. Monsieur Maurice Gakité, c'est pas faux. Ok. Moi, ma façon d'habiller, ça trompe. Donc, ceux qui sont dénudés, elles sont quoi? Elles sont là pour inciter les gens à la débauche alors. Pourtant, vous avez des gens qui communiquent pour votre parti, qui s'habillent comme ça, qui s'éclaircissent la peau. C'est pourquoi je dis, vous n'êtes pas des gens qui sont justes. Parce que quand tu es contre un truc, il faut le faire savoir que moi, je suis contre ces choses. Moi, j'ai mon vrai teint, j'ai mes vrais cheveux. Et je n'incite pas quand même à la débauche. Ou bien, voilà. Mais comme tu ne connais pas entre la vérité et le mensonge, c'est pourquoi tu dis ça. Et très bien. Et moi, je ne suis pas payé, hein, M. Maurice Gakité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je cherche quelqu'un là. M. Abdoulaye Camara, le Guinéen ne voit que la veste que l'homme porte et non l'homme qui porte la veste. C'est pourquoi certains soutenaient Alpha Condé sans le connaître. Mon frère, la haine à la base. Il me voulait, voilà. Et Camara, je cherche un haineux là. Je vais vous le montrer. Un monsieur très, 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 très haineux. Vous allez voir avec Doumbouya, Sir et Moussa Konaté. C'est toujours eux. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Sir et Moussa Konaté. Vous allez voir avec Doumbouya. Monsieur, quand tu écris Doumbouya là, il faut mettre en majuscule et tu mets monsieur. Ce qu'il a fait en Guinée, aucun homme n'a jamais fait ça. Avec Doumbouya, UFDG pense que c'est Selou qui gouverne maintenant. Mais c'est très facile de manipuler les UFDG. La patience est la clé de la reconnaissance. RPG sont patients, patients avec C-I-E-N-T. Regarde les choses avec la direction et patience. D'accord. Vous avez patienté, mon frère, ça c'est vrai, mais vous avez patienté dans le vide et dans le mensonge. Et votre parti était basé sur un truc communautaire et de haine. Et vous mentez énormément. Et vous continuez à mentir. Votre parti est basé sur la propagande. Moi-même, le mensonge qui a été mis sur moi ici, c'est énorme. Mais moi, je suis qui t'y à la main. Où on a la Eh, hey, Yomane, je suis cachée. Non, je suis là. Je fais des directs de temps en temps. Tu sais, moi, je ne suis pas payée. C'est pourquoi je ne suis pas fâchée. Je cherche quelqu'un. Ah, je fais qu'inciter à la haine. Pourtant, je ne dis pas aux gens de sortir. Ah, vos gens sont... C'est-à-dire, gay, les RPG sont très méchants. Ils sont très, très méchants. Ils n'ont pas de cohérence dans ce qu'ils font. Vous avez des gens qui vous disent ici de sortir. Moi, je ne vous dis pas de sortir. Tu dis que j'incite à la haine. Mais c'est les Libériens et les Léonais qui sont là à inciter à la haine. Parce qu'ils aiment la guerre. Partout où ils vont, la guerre les suit. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Hé! Hey! D'accord. Alassane Kourouma, c'est toujours vous. Ma soeur, j'ai des preuves palpables qui disent que Dalem a été le meilleur investisseur au Sénégal. D'accord, les preuves là, il faut les sortir. C'est une très très bonne chose. Moi, ce que je sais par rapport à cela, il a eu un prix de corridor. Vous allez faire des recherches dessus et vous allez le voir. Voilà, c'est tout. S'il est... Voilà! Allah subhanahu wa ta'ala même. Voilà ce monsieur que je recherchais, Dadi Liman Touré. Le voilà. Je crois que c'est sa photo. Dadi Liman Touré. Je crois que c'est sa photo. Allah même dit. Je crois que c'est sa photo. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est vraiment lui. Je crois que c'est lui. Je crois, hein, je crois. Si ce n'est pas lui, c'est sur son profil. Ce n'est pas un faux compte, c'est un vrai compte. Donc, je vais montrer. Voilà.
non à un troisième mandat en Guinée. Ça, pardon, ça c'est sûr. Ah, c'est son compte, le voilà encore, c'est son compte. Donc, voilà. Je vais lire son commentaire. Eh, Hadia, toi aussi, il faut dire la vérité aux gens que Doumbouya ne peut pas faire l'affaire de la Guinée. Ne cherche pas des vues sur Facebook. D'accord. Ok. Finalement, c'est ça que je dis que je n'aime pas chez vous. Vous êtes très malhonnête. Si je cherche les vues sur Facebook, je n'allais pas m'habiller comme ça. Parce que ce n'est pas ce qui attire les vues. Ça, ça ne peut pas attirer les vues. Je ne crois pas. Un, deux, deux. Moi, je ne fais pas les vidéos tous les jours. Deux, trois. Ma page là, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe sur Facebook. Cette page, elle n'est pas monétisée. Pas du tout. Alors, on quitte ça. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. Voilà. Donc, Dadi Douman Touré, toi, j'ai remarqué tes commentaires. Tu as toujours des commentaires très bizarres. Mais je vais commenter ce que tu viens de dire. D'accord. Mamadi Doumbouya ne peut pas faire l'affaire des Guinéens. D'accord. Abdoulaye Ba, merci à toi là-bas. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te pose une question. Qui peut faire l'affaire des Guinéens? C'est ce que je ne comprends pas chez vous. Toi, tu es un extrémiste bascotier, Dadi Douman Touré. Tu es un extrémiste bascotier. Parce que toi, c'est les catégories de personnes qui s'attendaient à un bascotier qui allait faire le coup d'État. Mais cela n'a pas été fait. Donc, Mamadi Doumbouya ne vous arrange pas. Et beaucoup de bascotiers attendaient certains postes qu'ils n'ont pas eu. Donc, il faut combattre Mamadi Doumbouya. Ou bien, vous ne voulez pas de Alpha Condé, vous ne voulez pas de Sélou Dalé, vous ne voulez pas de Mamadi Doumbouya, parce que ce ne sont pas un des vôtres. Toi, tu es dans cette optique-là. Toi, Dadi Liman Doumbouya, là, tu es dans cette optique. Voilà. Moi, je n'ai pas dit que Mamadi Doumbouya peut faire l'affaire de la Guinée. Moi, je voulais que quelqu'un parte. Quand ce quelqu'un-là, moi, je suis cohérent dans ce que je fais et dans ce que je dis. C'est comme si ceux qui disent aujourd'hui que les gens manifestent, c'est comme si moi demain je viens m'asseoir ici, je vous montre une crème, je ne sais pas, n'importe quelle crème, je vous dis, ah vous voyez, hein, ça c'est une crème qui éclaircit la peau, moi c'est ce que j'utilise, ou alors je n'utilise pas de crème, mais vous pouvez utiliser ça contre l'État, tandis que moi je n'utilise pas. Et tandis que j'ai toujours été ici régulièrement à le dire que les produits éclaircissants ne sont pas bons pour la peau. Mais comme ça, ça vous arrange, vous êtes des malhonnêtes. Mais c'est l'affaire Marie Sissoko là qui va tuer beaucoup de personnes, Inch'Allah. Parce que moi, je ne pardonne pas. Vous savez pourquoi je ne pardonne pas? Je n'aime pas qu'on mente sur moi. Parce que ce que j'ai dit, vous savez que c'est vrai. Vous m'avez taxé d'ethno ici. Parce que dans votre tête, vous pensez que je ne vais pas soutenir Mamadi Doumbouya parce qu'il est malinqué. Moi, j'étais contre les malinqués. Mais je vais soutenir Mamadi Doumbouya. Parce que les Guinéens, la majorité voulait que Alpha Condé parte. C'est pourquoi je vous ai dit, dans vos invocations, vous dites à Allah de faire ce qui est le mieux pour vous. Il ne faut pas prier qu'un tel vienne au pouvoir. Il ne faut pas prier que vous voulez avoir ça. Il faut prier. Parce que mais la majorité des Guinéens voulaient que le colis parte, quelle que soit la personne qui vienne. Certes, il y avait des bascotiers qui attendaient quelqu'un de leur côté. C'est un fait. Cela ne s'est pas fait. Vous comprenez? Maintenant, si dans nos prières et nos invocations, la majorité est allée dans le sens que qui que ce soit dégage ce lascar-là, nous avons Mamadi Doumbouya qui l'a fait. Honnêtement, sincèrement, si moi je ne soutiens pas Mamadi Doumbouya, les gens sensés qui me regardent, je ne dis pas des insensés, vous allez avoir confiance en moi. Les gens qui combattaient Alpha Condé, aujourd'hui,
ils combattent Mamadi Doumbouya. Vous comprenez quelque chose dans leur façon de faire? Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas et je ne cherche pas à comprendre. Parce que c'est des gens qui combattaient pour quelque chose de bien déterminé, qui pensaient que c'est leur ethnie qui allait venir. Moi, je vous ai dit que je m'en fous de l'ethnie. Ce n'est pas mon problème. Si c'est un chimpanzé qui avait mordu, ou un chien ou un chat qui avait mordu le colis, et ça le fasse quitter là où il est, j'allais respecter cet animal-là. C'est tout. C'est tombé que c'est Mamadi Doumbouya. Je vais le soutenir. Comme je peux. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans cette affaire du FDJ. Au début, moi je vous ai dit, j'ai dit si c'est le monsieur-là qui a gagné, nous allons le payer. Et moi je ne vais pas rentrer dans ça. Ils ont commencé à m'insulter. Hé, hey, vous n'avez aucune possibilité. Je vous l'ai déjà dit. Personne n'a cette possibilité de me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire. Personne, sauf Allah. Ma mère ne l'a pas, mon père ne l'a pas, mon mari ne l'a pas, les hommes. Personne ne l'a. C'est pourquoi quand quelqu'un vient parler ici, je te dis que tu vas prendre tes responsabilités, ton bagage, moi je ne vais pas prendre. Je ne mets pas les gens dans les problèmes. Moi-même, je vais assumer mes problèmes à moi. C'est tout, c'est ce que je peux faire. Donc, Mamadi Doumbouya, je dois le soutenir. C'est ça la logique. Je suis dans une logique. Et je suis cohérente et concordante dans ce que je fais. Mais cela ne vous arrange pas. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis une menteuse. Je sais. Je suis féticheur. Il y a quelqu'un qui a écrit ici que je suis féticheur. Alors, qui tu vois, Tagi? Attends, qui tu sais, ma poignée, Tagi? Attends, non, ma qui tu dis, attends, Kolo. Alors, qui tu sais, où on t'a dit? On a un bini, c'est pas ma vie. Combi, bah, diffamation, bah, mon arme, mania, on rit. Alors, qui tu vois, Tagi? Attends, tout n'a qui. Mais moi, mais dans le cas-là, Allah ne joue pas avec, je vous le dis, hein, il ne joue pas avec ça, hein, parce que je suis sincère avec lui. Voilà, je l'aime et il m'aime. Et je vais dans ce sens-là. Si vous connaissez aujourd'hui, même 3, 4, 5 femmes qui n'enlèvent pas leurs sourcils, montrez-les-moi, ça seulement. Qu'ils gardent ça seulement. Montrez-les-moi. On va laisser produire éclaircir ça, il faut cheveux. Donc, normalement, si c'était un pays normal, moi, vous me devez du respect normalement. Mais c'est des gens qui sont tordus. Vous êtes des gens tordus. Et vous serez toujours humiliés, Inch'Allah. Parce que vous n'êtes pas dans le bon sens. Toi, tu vas combattre quelqu'un. Celui qui va venir terminer ton combat, tu vas le laisser. Mamadi Doumbouya ne peut pas faire l'affaire de la Guinée. Qui peut faire l'affaire? Le passepotier que tu attendais. Le passepotier que tu attendais, c'est un incapable. Il a eu peur de mourir. Celui qui l'a fait, je vais le soutenir. Et puis, si tu ne fais pas attention, Dali Liman, je te bloque. C'est tout. Je vous ai dit, maintenant, il y a des choses que je ne vais pas prendre. Non, tout ça est dedans parce que c'est des gens qui représentent une partie de la société. Lui, je l'ai guetté depuis longtemps, je les regarde. Pourtant, tu étais contre le troisième mandat. Mais aujourd'hui, tu combats le colonel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de ton ethnie. Ou bien? Voilà, donc c'est comme ça. Moi, je suis cohérente dans ce que je fais. Je ne vais pas venir m'asseoir ici demain dénudée. Tandis que tout le temps, je critique les dénudés. Et ça fait des années que je fais ça. Il y a des gens qui me disent, oui, mais ça ne marche pas. J'ai dit, oui, mais moi, ce sont mes mêmes yeux. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pour vous que ça ne marche pas. Moi, laissez-moi dans mon truc. Faites ce que vous avez à faire. Ça, ce n'est pas votre problème. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Et puis, dans l'avenir, comme moi, je suis sur l'avenir, nous allons le voir. Que Mamadi Doumbouya fasse l'affaire de la Guinée, bah, qu'il ne fasse pas l'affaire. Vous êtes habitués aux présidents qui ne font pas votre affaire. Parce que vous ne respectez pas les résultats des urnes. Un, deux, deux, parce que c'est ça que vous méritez. Chaque peuple mérite le chef qu'il a. Ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est comme ça. Le jour que vous allez mériter quelqu'un de bien, ce quelqu'un de bien viendra. Mais si vous ne méritez pas quelqu'un de bien, même s'il gagne, il ne va pas vous gouverner. Jusqu'au jour où vous allez prendre conscience. Voilà. Donc, Mamadi Doumbouya, ce que nous allons faire, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons parlé, nous avons accepté beaucoup de choses pour que le colis soit emballé. Celui qui a emballé le colis, nous allons prier pour que Allah le guide et que toutes les personnes qui ont un truc pour la Guinée, parmi vous ou ailleurs, on ne sait pas, que Allah fasse qu'il se retrouve, parce que c'est un groupe de personnes qui peut diriger le pays, que Allah fasse en sorte que ces gens-là se retrouvent pour diriger ce pays-là, qui qu'il soit. Mais Mamadi Doumbouya, je le soutiens.
très bien, comme il faut, comme ça se doit. Parce que c'est ça la logique, c'est ça la cohérence, c'est ça la concordance. Moi, je ne vais pas faire ça et faire ça. Faire ça, R-Souma. C'est très bien, ce qu'il a fait, c'est très bien qu'Allah le guide. Parce que tout ce que Allah peut lui donner aujourd'hui, c'est de le guider. C'est ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il a fait là, les retraites, l'assainissement du fichier et toutes ces choses-là. Quel est le président qui a réussi à le faire? Quel est le président qui a essayé de démanteler ce réseau-là qui est en Guinée? De démanteler ce système, parce que c'est un système qui est là. Qui? Tout ce qu'on a eu, qui? Ça, c'est le travail du colis, ça, il y a 10 ans, c'est lui qui devait le faire. Il ne l'a pas fait. Donc, celui qui essaye de le faire, même s'il ne le fait pas, je vais le soutenir. Même si Mamadi Doumbouya ne fait rien, je vais le soutenir. Parce que c'est la suite. C'est un passage obligé, c'est un passage obligatoire. C'est tout. C'est comme ça. Et vous ne pouvez rien. Et par la grâce d'Allah, je n'ai jamais soutenu un truc qui a perdu. Depuis que je suis créée. Jamais. Mais c'est sur du long terme. Ça, c'est Allah qui veut ça. Le jour que je vais prendre de l'argent ici, vous allez voir ça. Vous allez le sentir vous-même, que la dame l'a mis la main quelque part là où elle ne doit pas mettre. Donc, c'est ça. Si vous pensez que Facebook, c'est un jeu, c'est un jouet, continuez à jouer. Mais Mirine des rabonnés, femme n'est bombonnée, la Guinée Lourdes, Inch'Allah, ou Ralati. Mirine des rabonnés, et fait bombo. Il ne saut la Guinée. Donc, Mamadi Doumbouya, nous allons le soutenir. Moi, Marie Sissoko, je le soutiens très bien. Et vous ne pouvez rien. Qui que ce soit, un parti politique ne peut pas faire quelque chose contre ça. Un citoyen lambda ne peut pas faire quelque chose contre ça. Un Paul ou un Pierre ne peut rien faire contre ça. Tout ce que vous pouvez, vous allez faire des vidéos, vous allez insulter. Je vais prier la nuit. Je vais dire à Allah de juger entre vous et moi. Nere fa en kumbi ma benere wule sa mangouma. Na fa fene Allah kiti sa wota montantaki. Point. C'est tout. Moi, je ne peux pas savoir cela. Je cherchais quelqu'un d'autre là. Attendez. Voilà, maintenant concernant l'armée, nous allons faire une vidéo, nous allons continuer à faire des vidéos. Vous savez, le frère Issasso était venu une fois. Je vais très bien, alhamdoulilah, celui qui vient d'écrire, comment tu vas, je n'ai pas vu ton nom. Voilà, je n'ai pas vu ton nom, mais je vais bien, Dieu merci. Donc, ces réclamations, nous allons revenir dessus. Les salaires, les gens qui ont des grades, qui n'ont pas le niveau... le côté de la santé, les tenues militaires, Inch'Allah, nous allons revenir là-dessus. Parce que je pense qu'au lieu que l'armée se divise, que l'armée se rebelle ou quoi que ce soit, parce que c'est ce que certaines personnes veulent, moi je pense qu'à ce moment-là, l'armée doit essayer de profiter de cette situation, de l'arrivée du colonel, pour réclamer certains de leurs droits. Voilà, pour que l'armée aussi soit en règle, pour que certaines habitudes, pour qu'ils arrêtent ces petites corruptions, pour qu'ils se réconcilient progressivement, petit à petit, avec la population. C'est très, très important. Ça, ce sont des idées qu'il faut mettre en place. Ça, ce sont des conseils qu'il faut donner. Peut-être, Inch'Allah, peut-être que ça peut marcher. Pourquoi pas, peut-être que ça ne peut pas marcher. Mais quoi qu'il en soit, il faut essayer parce que, bon, on ne sait pas. C'est Allah qui sait si ça va donner ou pas. Mais les gens qui font les diffamations, je vous le dis, Naura fait kiti fifé à la lama. Et ça, quand je dis ça, je vous préviens, c'est pas bon. Voilà. Je n'appelle personne ici. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous le savez très, très bien. Ça ne vous arrange pas. Vous ne venez pas sur mon direct, c'est tout. Mais je vais vous le dire. Moi, je n'ai jamais soutenu quelqu'un que Allah humilie la personne. Non. Parce que j'essaye d'aller dans le sens de la vérité. Ce que je pense être vrai. Parce que tu peux penser qu'un truc est vrai et ce n'est pas vrai. Tandis que tu sais que c'est faux et on te paye pour ça. Et ne pire sa rififébé. Wallahi. Al-Khoubirnaïrebi. Moubarourak fait kitifi alama. Et nous sa rififi. Ou nous me rébile ou bori. Ou l'écoui. N'a pas bien dit au baradan.
nana wona roma mala wore yere bala kiti sa wonu wora boni tagi ala kiti sa woru ndagine ke tagi ala kiti sa wota muntam fantagi ba kiti sa menge na tanana. Et vous pensez que c'est la blague parce que vous vous gagnez de l'argent, vous voulez mettre les gens mal, vous gagnez de l'argent à quoi faire? Tous les conseils qu'ils donnaient, c'était des faux conseils. Il faut fermer les frontières. Les frontières étaient fermées. On a dit, vous êtes venu de Volcaria. Oui, en Volcaria, c'était trop long pour vous. Vous pouvez pas avoir ça. Ah, c'est mon nièce qui a vu Volcaria. Et voilà, il dit. Vous savez, c'est des gens qui rêvent beaucoup. Les chayatines les font rêver. Les chayatines les envoient de fausses informations sur moi. Voilà. Donc, quand ils rêvent de quelque chose, bon, ils rêvent beaucoup, mais ils n'ont pas rêvé de ce qui arrivait à leur boss. Il y a qui t'a rien attend. Amérique de Raraboro. Et puis, vous t'a rien. Amérique, c'est ce qu'on dégage. Attendez. Gros, c'est la puissance qui est à rien. Gros, la puissance qui est à c'est toi qui dois dégager. Moi, je suis sur ma page. Moi, je ne suis pas sur ta page. Oui, je suis très haineuse, c'est pas faux. Je suis haineuse contre les menteurs et les gens qui sont payés. Les payés pour raconter des conneries qui n'ont pas aimé Alpha Condé, qui ont aimé l'argent qu'ils gagnent. Et aujourd'hui, voilà ce qui arrive au monsieur. C'est ce qui est triste. Tu es entouré de personnes qui ne t'aiment pas. C'est malheureux. Les gens qui t'aiment te disent la vérité. Les gens qui ne t'aiment pas te poussent. Te poussent comme aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, se retrouve seul. Tu peux parler jusqu'à ce que tu aies la langue qui panne, ça va, ça s'enroule sur Alpha Condé, ça ne peut rien donner parce que tu as été payé pour ce que tu faisais. Si tu l'aimais, tu peux encore t'asseoir devant ta caméra là pour dire, moi je t'aime des, mais vraiment, l'affaire du troisième mandat là, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais Iblis est en train de les amener des faux rêves, c'est pourquoi beaucoup de personnes se sont mis à pleurer. Et moulalara. Dès qu'il y a affaire d'argent, non. Ça, c'est la corruption. Même les serres là, qu'on donne, les colas, les cils, sont en train de corrompre les djinns. Sinon, un bon djinn, un djinn musulman, plus tu pries, plus il est fort. Plus tu pries, plus ça renforce ton âme. Voilà. Mais dès que tu commences, on commence à faire les sacrifices, il faut donner ça, les gens vont venir manger. Je vous ai expliqué ce phénomène. Les gens viennent rentrer dans le corps des gens pour manger. Et c'est ceux qui piquent les cerveaux des gens à gauche, à droite. Ils font des choses qu'ils ne font pas faire, qu'il ne faut pas faire. Mais les Guinéens sont tellement habitués aux chayatines que quelquefois, on force, le Guinéen force le djinn à devenir chayatine. C'est ce qui fait grandir la corruption dans le pays. Toujours les serres là. Et les tamifirés, c'est la corruption. On te donne à manger, tu vas dire ça. Tu vas dire ce que j'ai envie de dire. C'est de la corruption. Quand tu corromps, quand un djinn accepte d'être corrompu, c'est un chayatine. Voilà, ça, ce sont vos religieux qui doivent vous dire ça. Mais l'affaire Marie Sissoko, là, vous allez regretter ça, Inch'Allah. Au fil des années, les faux contre vous, vous n'avez pas de problème. Parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes encore plus. Vous ne vous assumez pas. Je vous dis merci pour les partages et les commentaires. Voilà, restez calme. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ce qui doit arriver pour un croyant, ce qui doit arriver, arrivera. C'est pourquoi je dis aux gens en général, tous ceux qui vont parler de partis politiques, de ci et de ça, tout ça c'est très bien. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est l'âge, c'est l'oudel indianlo, tout ça c'est très bien. Il a le temps de se laver. Il a le temps de se rendre propre. Quel que soit l'homme politique, tous les hommes politiques auront le temps d'être propres plus tard. Mais si on ne soutient pas le colonel qu'il flash, on ne parle pas de transition. Vous avez vu ce qui est arrivé à Cadiz, comment ça a changé les choses. On est parti nous prendre un ivrogne qu'ils ont dribblé. Il faut penser à tout ça. Et on a vu quand les gens ont précipité les élections, anticipé les choses. Non, il faut ci, il faut ça. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la personne qu'ils voulaient qu'ils fassent le coup d'État, qui n'a pas fait. C'est tout. C'est les intérêts personnels.
Il y a des gens qui attendaient des postes qu'ils n'ont pas eu. Donc, c'est par rapport à tout ça. Tous ceux qui critiquent là, c'est par rapport à ça. Tous ceux qui sont allés à la retraite, leurs parents ne sont pas contents, leurs personnes ne sont pas... Tout cela, ça fait des ennemis. Donc, ils envoient leurs mauvaises ondes. Ils ne savent pas quoi faire. Ils critiquent le monsieur. Ils font ci, ils font ça. Vous n'avez pas voté pour lui. Dali Liman Touré. Je sais que le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas faire l'affaire de la Guinée, comme tu le dis. C'est pourquoi personne n'a voté pour lui. C'est pourquoi il n'a pas de parti politique. Voilà. Mais ceux qui se sont sentis soulagés par sa venue doivent le soutenir. Sinon, ça aussi, c'est un autre haka. Moi, je vous dis la vérité. C'est ce que je pensais. Ça, c'est ma vérité. Ce n'est pas universel. Maintenant, si vous vous mettez dans les trucs à gauche, à droite, que les gens essayent de vous manipuler pour essayer de salir ce monsieur d'une façon ou d'une autre, même en tant qu'un bon musulman, en tant qu'un bon musulman, je cherche quelqu'un là. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui avait tué, je ne sais pas, 99 personnes et tout, que Allah l'a pardonné après. Vous connaissez cette histoire. Nous allons venir, par exemple, à Kagame. Je vous le dis souvent. Oh, la Guinée, il nous faut un Kagame. Oui, oui, mais Kagame a été génocidaire et rebelle. On l'a pardonné aujourd'hui. Vous vous reprochez à Mamadi Doumbouya parce qu'il a tué, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça, parce qu'il était avec le colis. Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas réagi? Combien de personnes étaient avec le colis? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Oui, Mamadi Doumbouya, il a fait ce coup-là parce qu'il veut se sauver. Oui, mais bien sûr qu'il veut se sauver. Mais vous croyez que quoi? Lui, il veut se sauver. Vous, vous ne voulez même pas vous sauver du mensonge que vous viviez depuis des années. Vous ne voulez même pas vous sauver. Mais il faut rappeler une chose. Ce monsieur-là pouvait venir en France. Je vous l'ai déjà expliqué. Il pouvait venir en France parce qu'il est français. Tout ce qu'il a sur la Guinée comme dossier, il donne à la France. Lui aussi, il fait des vidéos comme je fais là. Il serait plus crédible que nous autres, mais ce n'est pas pareil que ce qu'il a fait. Ces 400 hommes qu'il avait, force spéciale, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Il y a ce point-là. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, qui l'aurait fait? Mais quand quelque chose n'arrange pas les gens, ils veulent mettre ça sur un compte qui les arrange. Hé, entre ce que tu veux et ce qui se passe, ce sont deux choses différentes. Je vous l'ai dit, il faut être réaliste. Ce que toi tu veux que ça se passe et la réalité sont deux choses différentes. Ce dont toi tu aspires, ce dont tu rêves que ça va arriver, cela n'arrive pas. La chose qui va venir, tu t'adaptes à cette chose et à cette situation pour arriver à autre chose, pour passer le cap. C'est tout. Maintenant, si ça n'arrange pas d'autres personnes, ils n'ont qu'à se débrouiller comme ils peuvent. Ça, c'est leur problème. Si les gens vont sortir dans les rues, bah, c'est bon. S'il y aura un autre contre-coup d'État, bah, tout ça là, c'est bon. Quand ça aussi, ça va arriver, si ça arrive, Inch'Allah, c'est Allah qui sait. Ça aussi, il y aura une autre technique pour ça. Si tu es bien guidé, Allah va te donner un autre chemin pour, ou une autre méthode pour régler cette situation-là. Il n'y a pas de science exacte. Même les sciences exactes, c'est exact pour ceux qui comprennent. Si tu ne comprends pas les sciences exactes, pour toi, c'est des gonneries. Mais celui qui comprend, lui, il peut t'expliquer ça à sa manière. Et puis, il a des preuves et il peut même adapter ça à la vie. Mais toi qui ne comprends rien à ça, tu ne veux même pas qu'il parle. Tu ne le regardes même pas, tu ne l'écoutes pas. Donc, c'est ça. La réalité, elle est là. Il faut s'adapter à cette réalité. Il faut la vivre. Conséquemment, c'est tout. Donc, ce que j'ai à dire à ceux qui sont en train de me regarder, qui vont me regarder plus tard, soutenez le colonel Mamadi Doumbouya dans vos prières, dans vos doigts. Comme vous pouvez, envoyez-lui vos bonnes ondes, vos ondes positives à ce monsieur-là. Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, nous n'avons jamais vécu cela. Voilà. Maintenant, ceux qui ne veulent pas Mamadi Doumbouya, je vais leur poser la question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui avaient réclamé la transition ici. Où ils sont aujourd'hui?
ou parce que ceux qu'ils attendaient pour diriger et gérer cette transition, ce n'est pas ceux-là. Moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Hein. Non. Ça n'a pas... Ça ne concorde pas, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je... Après, vous voyez, hein, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous le dis ici, je ne vous influence pas. Je n'essaie d'influencer personne. Mais je sais qu'il y a des gens qui tiennent compte de ce que je dis. Donc, je parle à ceux-là. Ceux que ça n'intéresse pas, je ne vois même pas pourquoi vous perdez votre temps. Mais regardez, c'est cela aussi que je ne comprends pas. Tu dis un truc qui ne m'intéresse pas, je te regarde. Et comme celui qui dit que mon avis ne l'intéresse pas. Ça c'est le commentaire le plus idiot que je n'ai jamais vu. C'est le commentaire le plus bête que je n'ai jamais vu. Un truc ne t'intéresse pas, tu le dis et tu regardes encore. Et vous oubliez que tout ce que vous écrivez ici, c'est beaucoup de personnes qui regardent. On se rend compte pourquoi vous avez été dribblé toutes ces années-là. C'est dommage, c'est malheureux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas sur le bon sens. Maintenant, si vous ne voulez pas vous réveiller, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas nous endormir dans votre sommeil-là qui n'a pas de sens, dans votre sommeil perturbé. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Ben, en tout cas, je vais vous laisser. Voilà, je vous dis merci pour les commentaires, pour les partages et tout. Le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD, pour l'instant, ce ne sont pas nos ennemis. Pour l'instant, ce ne sont pas nos ennemis. Ceux qui disent que oui, vous pensez que c'est Selou Dalein qui va venir au pouvoir ou quoi que ce soit. Tout ça là, c'est pour vous décourager. Selou Dalein vient au pouvoir bas. Paul vient au pouvoir bas. Pierre vient au pouvoir bas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune importance. C'est le destin de chacun. Sinon, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas lui qu'on attendait. Malgré que cela a été dit sur ma page ici, il y a des gens qui avaient dit que c'était faux. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Mais malgré que je suis une menteuse, voilà. D'accord. Donc voilà, merci à tout le monde et je sais pas, à bientôt Inch'Allah. Et comme je l'ai dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide parce que c'est le meilleur des guides. Ceux qui sont en train de faire semblant d'être avec lui, il montrera que vous n'êtes pas avec lui, Inch'Allah. Il va le montrer au vu et au su de tous. C'est une question de temps. Voilà, moi je suis mauvaise, je suis méchante, je suis menteuse, je suis haineuse. Tout ce qui est mauvais, c'est moi. Mais le plus important, on dirait que Allah il aime vous. Moi aussi, je l'aime. C'est le plus important pour moi. Que vous, vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, je ne vois pas ce que ça change, sincèrement. Ça fait un moment que vous dites tout ça ici, mais ça change quoi? Si vous réfléchissez, vous devez arrêter de me regarder. Wallahi. Parce que vous êtes dans le mensonge. Le mensonge, je ne peux pas gagner. Si tu vois le mensonge gagner, c'est que la vérité, il n'y a pas une petite vérité qui pourchasse le mensonge. Je vous l'ai souvent dit, s'il y a une petite vérité qui pourchasse le mensonge là, cette vérité-là va gagner, Inch'Allah. C'est une question de temps. Il faut être patient et endurant. Merci à tout le monde encore une fois. Alaka, Yannour Khalaguine Badini, Yannour Ram Badini, Yannour Ramishmidi Bim Badini. A colonel Mamadi Doumbouya Badini, Ala Guinée. Pour ne pas t'humilier. Même si tu vas mourir avant l'humiliation dans le sommeil. Si le colis était une personne d'Allah, il allait mourir dans son sommeil. On dit, ah, on l'a trouvé, il dormait. Pour lui éviter cette humiliation. Mais comme ce n'est pas quelqu'un qui connaît Allah, on vous l'a souvent dit, je vous l'ai souvent dit, il est dans tous les grands groupes sataniques du monde. Tous. C'est pourquoi il y a des gens très spécifiques et très particuliers qui le soutiennent. Regardez dans vos familles. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire.
Donc, Al-Hanon dit Mali. Si on est en train de se tromper, vous et moi qui croyez en moi, si nous sommes en train de nous tromper, qu'Allah nous enlève sur cette route-là, qu'il nous mette sur sa route à lui, pour ne pas qu'on soit humilié, pour ne pas qu'on se trompe, pour ne pas qu'on trompe les autres. Maintenant, ceux qui ont décidé de tromper leurs frères et sœurs dans le mensonge, pour l'argent, pour un problème ethnique, que ce soit dans les publications, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les commentaires ou quoi que ce soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge, qu'il vous paye à acquitter ça. Parce qu'à t'en voulez nous non dit qu'il n'a pas coulé. Donc, wali fon nous serre à yon araba fait la Guinée fait qui. N'a rien ma sentane nous sentane tout et rassembe soto. Il est yoé. Fala mou yere n'a randadi. Fala kama kanye fandadi. Qu'on a la nata yiri, la nata kanye, la nata la Guinée n'a kuisé, la nata la Guinée n'a la gamme n'a kuisé. Ala rata mou lina tan sa rebe bilin kama. C'est mon à l'islam créé à la sembe mon barkaba à ton fils. A fin de miyo fan nanana. Il est yoé. Méthode de communication yon est ira. A fin de réseaux sociaux, a fin de télé, a fin de modèle yora. Il mouna à la créé à Roma. Il n'y a pas trompé. Il n'y a pas de nom de créé à Roma. Il t'en gagne ma. A la vire yébi. A la au fourrun tourra écrané yébi. Menge à la. A canaraba. Ne réfond ou en fait. Et mon cobri gara souri, et laquelle fait la Guinée fénama. Kawana tantani nankui, ala roba tantani kui. Mais rien cobri gara souri, et ramere la tantan. Fenko balai, sentane tue, ala roubi nou furunto. Ora furunto y degré teya. Parce que bien n'a de degré nara. Donc, à bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde, vraiment. Merci, merci pour les partages et les commentaires. Bon week-end à tous. Voilà. Si vous voulez comprendre une situation, quelle que soit la situation, mettez-vous à votre propre place, vous vous mettez à la place de l'autre personne. Ce qui se passe avec le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, mettez-vous à sa place. Tatus Bangus, merci là-bas. Mettez-vous, Ibrahim Damba, comment tu vas? Alseniba, merci à toi aussi. Ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, mettez-vous à la place du colonel Mamadi Doumbouya. Vous vous mettez à votre propre place. Et vice versa, honnêtement et sincèrement, et vous allez savoir quoi faire. Chaque chose en son temps. Benjamin Loutou, et Benjamin ton nom là, tout le temps j'ai du mal à Loutoukma, quoi là. Tous ceux qui sont, ne sont pas dans cette optique, qui n'arrivent pas à se mettre à la place de leur prochain, ne peuvent pas comprendre certaines choses. Chaque chose en son temps, c'est son destin, c'est son temps. Ça c'est le destin, ça c'est Allah qui a voulu ça. Oui, c'est ce qu'il a voulu. Quand il veut quelque chose, quand tu crois en lui, tu t'adaptes à ce qu'il veut en ce moment-là. Le jour que le colonel va déconner, que moi, selon ma façon de voir les choses, je dis moi, je ne dis pas vous, qu'il va déconner, je sais quoi faire, comment faire. Inch'Allah. Je vais le rappeler. Moi, j'avais soutenu la Constitution en ce moment-là, avant de dire Alpha Condé et non au FNDC, sur Facebook ici. Tu vas bien regarder d'abord un peu partout avant de parler. Mais ça, je l'ai fait. Et je disais dans mes vidéos, je ne suis pas pour le troisième mandat. Le changement de constitution pour que les jeunes intègrent la politique, oui. Mais s'ils se présentent, je ne suis pas pour. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya aussi, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Je le soutiens.